Les voiles, vite! Owen courut au canon et fit signe à plusieurs mousses. Aux voiles, vite! Nous avons retrouvé du vent! Pendant que les mousses s'activèrent, la jeune femme serra davantage le cristal tout en manœuvrant le navire d'une main. Un mur mauve translucide apparut entre les deux vaisseaux, empêchant les canons ennemis de tirer sur le galet à Gorm. Le vent s'engouffra dans les voiles. Le navire des Noëls s'éloignait de plus en plus vite tandis que les Danois tiraient désespérément sur le mur, ne comprenant pas ce qu'il se passait. Tête drôle, Tom! Et alors, capitaine? Que l'on contourne cette espèce de bouclier de malheur, et vite! Mais une fois le bouclier contourné, personne sur le navire danois ne vit où était passé le galet à Gorm. Un étrange brouillard envahissait les flots et venait progressivement droit sur eux. Retournons au port. Nous ne les retrouverons pas dans cette purée de poids. Vous voulez vraiment abandonner? Demanda le second du capitaine danois. Ils seront obligés de revenir. Avec le carnage qu'a fait la fille, ils n'ont pas pu se ravitailler. Les vivres vont bientôt leur manquer. Il faudra être bête pour revenir. La faim rend bête. C'est ainsi que le navire danois fit demi-tour et rentra à Torsheim. Quant au navire des Noëls, il était caché par le brouillard, en sécurité. Le collier de Brenna s'éteignit et elle s'effondra au pied de la barre. Qu'est-ce qui t'arrive? S'écria Owen en se précipitant sur elle. Je n'ai plus de force. Viens, tu dois te reposer. Il la prit délicatement dans ses bras, en faisant bien attention de ne pas appuyer sur la cicatrice laissée par la balle. Je te ramène dans ta cabine, il faut que tu dormes. Je ne sais pas quoi exactement, mais je sais que tu as fait quelque chose de magique pour nous sortir de là. Par signe que je suis une sorcière? Non, je crois que c'est différent. Le temps qu'ils descendent les escaliers, Brenna s'était endormie. Il ouvrit la porte de la cabine tant bien que mal et tomba nez à nez avec Gwendolyn. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Maman m'a dit de rester ici le temps que ça se calme. Elle va pas bien, Brenna? Elle est très fatiguée et a besoin de dormir. Tu vas bien veiller sur elle? Il y a beaucoup de brouillard dehors. Il vaut mieux que tu restes ici. La petite fille hocha la tête tandis qu'Owen déposait son amie sur le lit. Ne la réveille pas, hein? Promis! Assura Gwendoline en prenant son bateau pour jouer. Le fils du capitaine remonta sur le pont. Progressivement, le brouillard disparut. Le galet à Gorm continua sa route tranquillement. Le restant de la journée passa sans encombre. Le soir venu, Enoan demanda à Owen d'aller voir si Brenna allait bien. Le jeune homme s'exécuta et descendit voir. Elle dormait à point fermé, mais il n'était pas rassuré pour autant. Il savait qu'elle se reposait peu d'ordinaire et pour lui, ce n'était pas normal qu'elle dorme actuellement si profondément. Il réalisa qu'elle s'était tout de même prise une balle et il était logique que ça l'ait affaiblie. Voyant que Brenna n'était pas prête de se réveiller, il remonta sur le pont. Je crains fort que vous devriez rester à la barre pour la nuit, annonça-t-il à son père. Même si c'est dur, je tiendrai. Qu'elle se repose le plus possible. Que nous reste-t-il comme vivre? Plus grand-chose, hélas. Et je pense que nous devrions laisser les frais Brenna. On a que ça pour tenir. Nous n'avons pas pu faire le plein ni à Sky ni à Torsheim. Nous serons sûrement à court de nourriture avant d'arriver à Hobbs. Et retourner à Torsheim aussitôt serait du suicide. Murmura Brin en arrivant vers Owen et son père. Le capitaine hocha la tête. Nous allons devoir nous rationner dès maintenant. Excepté Brenna tant qu'elle n'aura pas parfaitement récupéré. Et je pense que nous pouvons faire une exception pour Gwendoline. Merci, capitaine. Répondit Brin en inclinant la tête. La nuit était tombée depuis plusieurs heures lorsque Enoal décida qu'il pouvait continuer sans vigie. La journée a été éprouvante pour tout le monde. Allez vous coucher.
La femme rousse descendit vers les cabines, suivie d'Owen. Gwendoline était déjà dans le lit avec Brenna et dormait paisiblement. Le fils du capitaine entra dans sa cabine et se coucha, les pensées obsédées par la jeune femme. J'espère qu'elle va bien à présent, murmura-t-il pour lui-même. J'ai envie d'aller la voir, m'assurer de sa guérison, mais je ne veux pas la réveiller. Il finit par s'endormir dans un sommeil agité, revoyant Brenna tomber sur la passerelle après s'être pris la balle, puis à bord du navire, le suppliant de la laisser aller dans l'eau. La nuit passa lentement, surtout pour Enoal qui devait rester à la barre. Il se surprit à converser avec les mousses présents sur le pont et il en était heureux. Avec son ancien équipage, ça ne serait jamais arrivé. Les mousses étaient bien trop mal respectées. Il apprit que maintenant, ils étaient contents de travailler pour lui et que pour rien au monde, ils ne voulaient quitter le navire. Le capitaine reconnut que le traitement qu'ils avaient reçu des membres gradés de son équipage avait été plus qu'incorrect, mais qu'en tant que maître du navire, il ne pouvait leur reprocher quoi que ce soit, sous peine de se retrouver pris en duel par ses propres hommes. Parler avec une mousse lui fit prendre conscience qu'il était celui qui avait le moins de piraterie en lui. Maintenant, il pouvait se soucier du bien-être des mousses sans craindre de faire face au rire méprisant de son second. Pour la première fois, il leur demanda leur prénom. L'un était assez musclé, avec de longs cheveux bruns attachés en une queue de cheval, et s'appelait Darren. L'autre avait une carrure semblable, mais était blond aux yeux bleus, et répondait au nom de Gohan. Quant au troisième mousse, qui était présent sur le pont à cette heure tardive, c'était le plus jeune, avec 15 ans à peine. Il s'appelait Angus, et était le frère de Darren. Ils parlèrent longtemps, tous les quatre, de leur vie en Écosse avant d'intégrer l'équipage. Et Noël les écoutait raconter leur passé, et comprit que désormais, la maison de leur cœur était son navire. Angus demanda des nouvelles de Brenna. Il voulut également demander si elle était une cible ou une autre créature magique dont il ne connaissait les légendes, mais se ravisa, ne voulant pas que ses camarades se moquent de lui. Après avoir passé plusieurs heures à parler, et Noël les invita à aller dormir un peu plus tôt, la mer étant calme et paisible. Il se retrouva donc seul un moment, mais ça ne le dérangeait pas, et il put réfléchir à ce qu'avaient pu dire les mousses. Enfin, le sommeil le guettant et voyant les premières lueurs apparaître à l'est, profitant de ce moment de calme, Enoal quitta la barre et vint toquer à la porte de la cabine de Brenna. Le soleil allait se lever et elle n'était toujours pas revenue sur le pont. La voix de Brynn lui dit d'entrer. Elle démêlait ses longs cheveux roux, assise sur le bord du lit. Gwendoline dormait toujours, à côté de Brenna qui semblait si paisible. Bonjour, capitaine. Vous semblez surprise de me voir. À vrai dire, je pensais que c'était Owen. Il était très inquiet hier soir. Cela m'étonne qu'il ne soit pas venu demander des nouvelles de son mari. À propos de Brenna, comment va-t-elle? Je ne sais pas vraiment. Elle ne s'est pas réveillée une seule fois. Mais avec ce qu'elle a subi, ça ne m'étonne pas. Mais avec ce qu'elle a fait, j'ignore si ça lui prend de l'énergie. Il semblerait que oui. Il faut à tout prix que je parle avec elle, mais je n'ose pas la réveiller. Trop tard, répliqua la jeune femme d'une voix étouffée. Excuse-moi, Brenna, je ne voulais pas... Rien, je crois que j'ai beaucoup trop dormi. Tu en avais besoin. Assura Brynn en attachant ses cheveux en chignon avant de se lever. Je vous laisse parler. Elle sortit de la cabine et referma la porte. Ai-je fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Demanda la jeune femme en se redressant. Non, rassure-toi, je venais voir comment tu allais. Je vais bien, enfin, je crois. Je ne suis plus sûre de rien maintenant. Mais est-ce que tu sais ce qu'il s'est passé hier avec le navire danois? Ils nous ont suivis dans le but de nous attaquer. Je ne parlais pas de ça, mais de ce que tu as fait pour nous sortir de là. Si vous voulez des explications, je n'en ai pas. Je ne sais pas moi-même ce qu'il s'est passé ni comment j'ai fait. Peu importe ce que tu as fait, est-ce que tu as l'impression que ça draine ton énergie? Pour être honnête, je n'en suis pas certaine. J'étais déjà affaiblie par ma blessure. Je ne sais pas si ça m'aurait fait la même chose si j'avais été en pleine forme. J'aimerais que tu fasses attention si cela venait à se reproduire. On ne sait pas ce que tu encours avec ta magie. Ma magie? Brenna se redressa davantage et fixa Enoal d'un air suspicieux. Vous venez de prononcer ce mot comme si c'était quelque chose de tout à fait naturel. Vous savez quelque chose, j'en suis sûre. Tu n'es pas la première personne avec des cheveux mauves que je rencontre. Et ce n'est que maintenant que vous me le dites? J'ignore quel est ton passé, mais tu dois le retrouver par toi-même, ou alors aller de l'avant par toi-même. Tu as eu la possibilité d'avoir une nouvelle vie, je ne voulais pas t'influencer. Vous avez commencé, dites-moi ce que vous savez si ça peut m'aider à comprendre comment j'ai fait hier.
Il y a bien longtemps, j'ai aperçu une femme sur Sky qui avait les mêmes cheveux que toi. Je l'ai suivie, mais elle a disparu dans les hauteurs de l'île. Le soir, alors qu'un épais brouillard était tombé, un moine a sonné la cloche pour que le port et les habitations autour soient évacuées. J'étais saoul, et au lieu de suivre les autres vers la montagne, je suis retourné sur le Gellaghgorn. Des navires sont arrivés. La plupart se sont fracassés sur les rochers. Je riais bêtement en voyant des planches de bois voler dans tous les sens quand un navire se dirigea droit sur le mien. Et c'est là que je l'ai vue, cette mystérieuse femme. Elle était debout sur la proue de mon navire, les mains tendues devant elle. Je pensais que l'alcool me donnait des hallucinations lorsqu'une barrière de la même couleur que la tienne s'est formée entre les deux navires. Elle a ensuite levé les mains vers le ciel et des vagues ont submergé le vaisseau ennemi qui a coulé. J'ai avancé vers cette femme, mais elle a plongé. Et jamais je ne l'ai revue. Rin m'a raconté cette histoire, mais de son point de vue. Et elle aussi avait aperçu une femme aux cheveux mauve et bleus dans les hauteurs. Le soir même, un moine avait en effet sonné la cloche. Lorsqu'elle s'était réfugiée dans la montagne avec sa mère, le moine leur avait expliqué qu'une femme avec des cheveux comme les miens lui avait dit que des navires pirates s'apprêtaient à accoster. Je ne peux que vous croire. C'est pour cela que vous vouliez me déposer sur Sky? Vous pensiez que cette femme était toujours là? Je l'espérais, mais je n'en savais rien. C'était quelques années avant la naissance d'Owen. Je n'ai jamais revu cette femme depuis. J'aurais aimé la remercier d'avoir sauvé mon navire. Et de vous avoir sauvé. Oui, aussi. Dis-moi, que s'est-il passé à Torshavn? Je n'ai pas parlé avec Owen, il était bien trop inquiet pour toi. Rena jeta un coup d'œil rapide vers Gwendoline, afin de s'assurer qu'elle dormait toujours. J'ai tué un homme, un marchand je crois. Et Noël, qui était resté debout devant le lit jusque-là, s'assit à côté d'elle. Et pourquoi? Demanda-t-il calmement, refusant de croire que c'était sans raison. Il vendait des armes, j'ai aperçu la rapière et je lui ai demandé des renseignements. Il a vu que j'étais très intéressée par cette lame et a dit que si je n'avais pas assez d'argent, nous pouvions toujours nous arranger autrement. Il m'a prise par la taille et ça n'a pas plu à Owen qui s'est mis en travers. Le marchand voulait le tuer, il l'a frappé plusieurs fois et Owen a perdu connaissance. Je n'ai pas réfléchi quand j'ai vu le marchand armer son pistolet et le pointer sur votre fils. J'ai pris la rapière et... Et quoi? Je l'ai tué. La jeune femme se tut, essuyant une larme qui coulait sur sa joue. Brenna, tu as sauvé mon fils, et tu t'es sauvé toi. Le capitaine regarda la rapière qui était toujours par terre, à côté du lit. Pourquoi t'intéressais-tu à cette lame? Je ne sais pas vraiment. Quand je l'ai vue, j'ai eu l'impression de la connaître. J'ai demandé au marchand d'où elle venait et il m'a dit qu'elle avait été trouvée sur un navire dépourvu de nom et d'équipage. Tu as demandé au marchand? Mais comment? Leur langue est tellement différente de la nôtre. J'ai découvert que je parlais une langue semblable à la leur. Je n'ai pas tout compris, mais en assemblant les mots que je comprenais, j'arrivais à saisir le sens de la phrase. En revanche, quand des soldats me parlaient, je n'ai absolument rien compris. Noël réfléchit quelques secondes. Tu dois certainement parler islandais. J'aimerais que tu me dises ce qu'il s'est passé ensuite. J'ai porté Owen pour le ramener jusqu'au navire, mais je me suis retrouvée encerclée par des soldats. Je ne sais pas vraiment comment j'ai fait pour m'en sortir. J'ai crié et ils ont été comme percutés par une force invisible. J'en ai profité pour m'enfuir. Je me suis cachée avec Owen le temps qu'il se réveille. Mais quand nous sommes repartis vers le navire, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec un soldat. Son mousquet était braqué sur nous. Je n'ai pas réfléchi, j'ai tiré. Tiré ? Brenna désigna d'un mouvement de tête le pistolet sous le bureau. C'est avec ça que le marchand voulait tuer Owen. Le capitaine attrapa l'arme et l'observa. Et tu as su t'en servir? Demanda-t-il en le reposant. Elle hocha la tête lentement. Faut croire que dans ma vie d'avant, je me servais fréquemment d'armes. C'était la première fois, du peu que tu te souviennes, que tu tuais quelqu'un? La jeune femme baissa la tête sans répondre. Ton silence laisse penser que ce n'était pas la première fois. Elle haussa les épaules sans oser le regarder en face. Brenna, c'était sur Sky, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai agi sans réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me le dire. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Je suppose que tu m'en parleras quand tu te sentiras prête. Tu sais, il n'y a pas que mon fils qui s'inquiète pour toi. Je sais que tu ne te confies pas beaucoup, mais si tu as besoin de parler, sache que je suis là. Merci, Noël. Une dernière question et je te laisse tranquille. Est-ce qu'il y a quelque chose entre mon fils et toi? Je ne suis pas certaine de comprendre.
Mais est-ce que tu aimes Owen? Je ne sais pas ce que c'est d'aimer, à vrai dire, mais j'apprécie beaucoup Owen. Mais de la même façon que j'apprécie Brynn. On parle beaucoup, on aime bien passer du temps ensemble, mais il n'y a rien d'autre. Ou alors, je n'en ai pas conscience. Pour moi, nous sommes des amis. Tu le saurais si c'était plus que de l'amitié. Merci d'avoir été honnête. Ne te sens pas obligé de prendre la barre aujourd'hui. Je vois bien que tu es encore fatigué. Il le regarda quitter la cabine, pensif. Brenna s'en voulait d'avoir joué la carte de l'ignorance, mais ayant été prévenue par Owen à propos des questions que pourra lui poser Enoal sur une potentielle liaison, elle avait préféré être plus que prudente. Tu as menti! La jeune femme sursauta et tourna la tête vers Gwendoline. Ah! Tu es réveillée? Depuis plusieurs minutes. Tu as fait semblant de dormir. Elle hocha la tête. Et tu as menti au capitaine. Je sais qu'Owen et toi, vous n'êtes pas que des amis. Même si tu veux pas te marier avec lui. Bon d'accord, c'est vrai. Pourquoi tu as menti alors? J'ai l'impression qu'Enoal ne veut surtout pas qu'il y ait quelque chose entre son fils et moi. Mais pourquoi? J'en sais rien. Tu me promets que tu ne le répéteras à personne, hein? Promis. Je ne veux pas que tu sois triste par ma faute. Je sais que tu tiendras ta langue. Allez, petit dauphin, file rejoindre ta mère. Elle doit sûrement t'attendre pour manger. Est-ce que tu viendras nous rejoindre? Je ne sais pas, Gwendoline. À tout à l'heure. La petite fille sortit de la cabine en sautillant. Brenna se laissa retomber sur le lit. Elle avait beau avoir dormi, elle se sentait toujours lasse et faible. Elle se pencha pour attraper la rapière et prit le temps d'observer le manche en cristal. Aucun doute, il s'agissait bien du même minéral. La porte s'ouvrit doucement. Ouf, tu ne dors pas. Owen ? Elle posa la rapière à côté d'elle et lui fit signe de venir. Je t'apporte à manger. Il posa des pommes sur le lit devant elle avant de s'asseoir. Tu as meilleure mine. Elle prit une pomme et commença à manger en soupirant. Mon père est venu me parler de ce qui s'est passé, mais il m'a aussi demandé s'il y avait quelque chose entre toi et moi. Tu lui as dit que nous étions des amis? Oui, et tu avais raison. Il n'aurait pas aimé entendre le contraire. Il a confiance en toi. Il ne nous surveillera plus. Il faudra rester discret. La petite l'a très bien compris et je suis certaine que Brynn aussi. Elles ne diront rien à mon père, j'en suis sûre. Brynn n'a pas l'air d'être quelqu'un qui dévoile beaucoup de choses. Gwendoline m'a promis de garder ça secret. Tu sais, lorsque nous étions chez elle et que tu étais dehors, elle m'a demandé si nous allions nous marier. Ça se voyait déjà que j'étais fou de toi. Il faut croire. Et dire qu'à chaque instant, j'avais l'impression que tu n'étais pas intéressé. Tu n'as jamais rien laissé paraître et tu ne laisses toujours rien paraître d'ailleurs. Quand je te regarde, tu sembles si indifférente. En tout cas, continue de paraître indifférente. Ça éloignera tout soupçon de mon père. Peut-être a-t-il trop souffert de la mort de ta mère et ne veut pas souffrir en nous voyant nous rapprocher? Nous lui rappelons peut-être de douloureux souvenirs. Réalisa Owen. Je n'avais pas pensé à ça, mais je n'ai jamais vu mon père avec une femme. Mais peu importe les raisons, rien ni personne ne m'empêchera d'être avec toi. Il serra Brenna dans ses bras en prenant soin de ne pas lui faire mal. Je suis désolé de m'être comporté comme un ignorant, Torchav. Si je t'avais écouté, on serait parti de ce stand et rien de tout ça ne se serait passé. J'ai voulu prendre ta défense, je voulais te protéger. Owen, j'apprécie que tu veuilles me protéger, mais je sais à présent que malheureusement je peux me protéger toute seule. Maintenant, je le sais. Sur le moment, j'étais tellement en colère qu'il se soit comporté de la sorte avec toi. Je n'ai pas réfléchi. Ah, rien de tout ça serait passé, je n'ai pas été aussi idiot. La jeune femme caressa la joue d'Owen. Tu es un charmant idiot alors. Je ne plaisante pas, Brenna. Tu as dû tuer plusieurs personnes par ma faute. Et je recommencerai si ta vie est en danger. Je ne veux pas que tu raisonnes de cette façon. Tu réalises ce que c'est que d'enlever la vie à quelqu'un? Oui, et c'est justement pour ça que je suis prête à le refaire si ça peut t'éviter de te faire tuer. Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas. Murmura Owen en embrassant doucement Brenna. Ils restèrent ainsi plusieurs secondes à se rendre mutuellement leurs baisers. J'ai la tête qui tourne. Souffla la jeune femme en se laissant tomber sur l'oreiller. Et toi, tu me fais tourner la tête. Répliqua le fils du capitaine en lui rendant un dernier baiser avant de s'installer doucement à côté d'elle.
je n'aurais peut-être pas dû te prendre autant d'énergie à t'embrasser comme ça. Plaisante. Refais ça quand tu veux. Ce ne serait pas correct. Pas correct pour qui ? La société ? Tu sais ce que j'en pense. Owen laissa échapper un éclat de rire. Tu as raison, on s'en moque des autres. Tiens, mange encore. Je vois bien que tu n'es toujours pas au meilleur de ta forme. Elle prit la pomme qu'il lui tendait et la mangea lentement. Je devrais te laisser dormir. Et si tu restes avec moi ? Je ne peux pas, ça attirerait l'attention de mon père. Tu as raison. Allez, dehors. Mais je n'ai fait que ça ces dernières heures. J'ai l'impression d'être complètement inutile. Je t'interdis de dire que tu es inutile. Attends deux secondes, je reviens. Le fils du capitaine alla rapidement dans sa cabine et revint avec un tricorne. Même si tu n'es pas capitaine, un second aussi doué que toi devrait avoir un couvre-chef. Brenna prit le tricorne et l'observa en haussant les sourcils. Tu l'as volé à un soldat ? Il était mort, il ne resterait plus d'en avoir besoin de son tricorne, et j'ai pensé qu'il serait beaucoup mieux sur ta tête que par terre à côté d'un cadavre. Je sais que ça peut paraître assez étrange dit comme ça, mais je tenais absolument à le prendre pour toi. Merci, Owen. J'y ajouterai ma touche personnelle afin de mettre de côté le fait que ce soit le tricorne d'un soldat. Je suis pas certain de comprendre si ça te fait plaisir ou non. Oh, ça me fait plaisir, beaucoup même. C'est certain ? Oui, Owen, c'est parfait. Elle l'embrassa sur la joue comme pour lui assurer que le tricorne lui faisait réellement plaisir. Allez, je vais te laisser dormir. Soupira-t-il à regret en lui caressant les cheveux. Et ne proteste pas, même si tu as déjà beaucoup dormi, il faut que tu te reposes encore. Elle hocha la tête sans broncher. Je sais. Après avoir échangé un dernier regard, Owen quitta la cabine et descendit dans la réserve. Il y trouva un mousse sceptique qui fixait l'unique caisse restante de vivres, dont la moitié était déjà vide. Même en se rationnant, ça va être compliqué. Soupira le fils du capitaine. Il ne reste déjà plus assez pour tout le monde. Compléta le mousse. Dis-moi, on ne s'est jamais adressé la parole, pas vrai ? C'est vrai. En même temps, un mousse n'a pas apostrophé le capitaine ou son fils. Les temps ont changé, tu sais. Oui. Pour la première fois, j'ai eu une conversation banale avec votre père. Tu peux me tutoyer, nous ne devons pas avoir beaucoup d'écart. Quel est ton nom ? Angus. Je suis le frère de Darren, le grand, très musclé. C'était volontaire de te faire recruter par mon père. Excuse-moi de te dire ça, mais tu n'as pas l'air d'être ici par envie. C'est vrai. Avec Darren, nous avons dû fuir. Notre mère était la servante d'un riche anglais. Elle nous a toujours caché qui était notre père, jusqu'au jour où la vérité a éclaté. Nous sommes des bâtards. Et nous étions en danger. Un groupe d'anglais veut notre peau. C'est pour ça que nous avons fui. Mais évidemment, nous sommes partis bien trop précipitamment pour apporter quoi que ce soit. Nous n'avons plus rien, et s'engager dans la piraterie semblait être la meilleure option. C'est pour ça que je me suis retrouvé ici. Complètement perdu, je dois bien l'avouer. Et tu ne sais pas ce qu'est devenu votre mère ? Non. Elle nous a aidés à partir, mais elle est restée là-bas. Peut-être qu'ils l'ont tuée. Je n'en sais rien. Et je préfère ne pas y penser. Ici, je suis tranquille. Personne ne veut ma mort. Pourtant, tout le monde quasiment veut apprendre des pirates. Tu m'as compris. Mais je te ferai remarquer qu'actuellement, nous ne sommes rien. Owen regardait Angus sans comprendre. Il me semble que c'est la Dame Rousse qui a perdu le pavillon. Bryn ? Oui. Avant d'arriver à Torshavn, elle l'a caché, mais ne l'a jamais remis ensuite. Nous naviguons sans pavillon depuis Torshavn et personne n'a rien dit ? Il y avait d'autres préoccupations plus importantes, il faut dire. Je vais demander à Bryn ce qu'elle en a fait. Ravi d'avoir pris le temps de parler avec toi, Angus. Le jeune mousse inclina la tête. Owen monta sur le pont et entreprit de grimper jusqu'à la vigie. Quelque chose ne va pas ? Lui demanda-t-elle, surprise de le voir arriver.
C'est bien toi qui as caché le pavillon ? Oui, pourquoi ? Tu pourrais le donner aux mousses pour qu'ils puissent le hisser en haut du mât ? Nous ne devons pas naviguer sans pavillon. C'est que... je crains que ça ne soit pas possible. Et pourquoi donc ? Il est dans l'eau au fond du port de Torchavn. C'était le seul endroit pour que les soldats ne le trouvent pas. Je comptais demander à Brenna d'aller le chercher au moment de partir, mais avec ce qui s'est passé, j'ai complètement oublié. Je suis désolé. Ne le sois pas. Je pense que sans le vouloir, tu nous as rendu un grand service. Et si nous changions de pavillon ? Tu crois vraiment que ton père est prêt à changer de pavillon comme ça sur un coup de tête ? Honnêtement, il est en plein changement actuellement. C'est le moment ou jamais pour le Galaghorn de prendre une autre couverture. Je peux confectionner un nouveau pavillon ? Dites-moi ce que vous voulez dessus. Je vais en parler à père. Le jeune homme descendit du mât et alla voir le capitaine. Père, quel est notre statut actuellement ? Notre statut à tous, je parle. Sommes-nous toujours des pirates ? Évidemment. Que veux-tu que nous soyons d'autres ? Depuis Torchavn, nous ne sommes plus rien. Et Noël tourna la tête vers le mât de pavillon en soupirant. Vous savez que nous n'avions plus de pavillon ? Oui, ouais. Mais pourquoi ne pas avoir demandé à ce que quelqu'un le raccroche ? Mon fils, il y a certaines choses que tu ne pourrais pas comprendre. Comme le fait que vous preniez la piraterie comme prétexte afin de mener des explorations de temps. En même temps, pour explorer les océans, il faut un navire. Et quoi de mieux que de monter un équipage formé de pirates pour prendre la mer plus rapidement, sans avoir à attendre une autorisation d'un quelconque supérieur ? Vous n'avez jamais vraiment été un pirate, pareil. Au fond de vous, vous êtes un explorateur. Ainsi donc, tu es en mesure de comprendre. Désolé, fils. Désolé de ne pas voir tes capacités à leur juste valeur. Pour être honnête, si Bonin n'avait pas émis cette hypothèse, je n'y aurais pas pensé. Elle est très observatrice, et elle a raison. Si je pouvais tout refaire, je lancerais des explorations dans l'hémisphère nord. Le monde est si vaste. Il reste tant de choses à découvrir. Depuis qu'elle nous a sauvés des Guntrockers, nous sommes déjà en train de commencer notre histoire. Nous n'avons plus rien de pirate. Si vous voulez explorer au bon vous semble, c'est le moment. Tu as raison, fils. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Nous devons rester sous la couverture de la piraterie ou nous n'irons pas bien loin. Et si nous étions pirates en mer, explorateurs à l'approche des terres ? Le capitaine hocha la tête. J'y ai songé bien des fois, mais avec l'équipage que j'avais, c'était impossible. Brynn se propose de faire un nouveau pavillon. Que doit-elle mettre dessus ? Dis-lui d'en décider avec Brenna. Si elle a réussi à comprendre ce que représentait la piraterie pour moi, elle saura quel emblème correspond le mieux à ce navire. Vous avez vraiment une forte confiance en elle. Vous avez raison, mais pourquoi avoir tant confiance en elle ? Personne n'accorderait une telle confiance à une jeune femme, surtout sur un navire. Certaines mentalités sont vraiment injustes. Vous admire beaucoup pour tout ce que vous faites pour Brenna. Elle nous a tous sauvés. Elle sait parfaitement diriger ce navire, et a tout d'une chef. S'il y a une chose que j'ai bien compris depuis qu'elle est à bord, c'est qu'une femme peut sans aucun doute être à la tête d'un navire. Owen hocha la tête en souriant. Si tout le monde pouvait dire comme vous... J'espère qu'un jour ce sera le cas. Brenna peut donner l'idée à d'autres femmes. J'ai bien vu comment elle s'extasiait sur le quai à Torchavn en la voyant à la barre. Ça pourrait en effet leur donner envie de devenir capitaine. J'ai changé de sujet, mais qu'en est-il concernant les vivres qui restent ? Mais si nous nous rationnons, il n'y a déjà plus assez pour tout le monde. Et nous manquons de vent. Nous n'avons pas beaucoup avancé ces dernières heures, mais retourner à Strémoy serait du suicide. Brenna pourrait nous aider avec le vent. Non, elle est bien trop affaiblie. Je ne veux pas qu'elle s'affaiblisse davantage. Il n'y aura bientôt plus de fruits pour lui redonner des forces. Mais nous arriverons plus vite. Je sais, Owen, je sais. Mais Brenna en a déjà bien assez fait. Comme ça pour nous. J'ignore jusqu'à quel point elle serait capable de tenir en utilisant la magie et je ne veux prendre aucun risque. Vous avez raison. Soupira le jeune homme. Et ça ne résoudra pas le problème du manque de nourriture. Pardonnez. Conclusion à votre conversation, capitaine. Mais nous pouvons pêcher pour nourrir les membres de votre navire. Et Noël leva la tête en direction du mousse qui venait de parler. Il descendait du mât avec agilité. Ça me semble une bonne idée. Lâcha Owen.
Nous n'y avons pas pensé, mais il est vrai que nous pouvons tout simplement pêcher et le problème sera résolu. Quel est ton nom ? Demanda le capitaine Oumous. Ronan. Sais-tu si les autres savent pêcher ? Oui, capitaine. Presque tous les mousses. Nous pouvons vous aider à trouver de la nourriture. Le poisson, ce n'est pas ce qu'il manque ici. Mais... Réalisa le fils des Noël. Nous n'avons rien pour les faire cuire et ce serait risqué d'allumer un feu. Nous pouvons réunir toutes les lanternes du navire et faire cuire le poisson au-dessus. Certes, ça prendra beaucoup plus de temps, mais c'est mieux que rien. Avons-nous vraiment le choix ? Soupira et Noël en voyant la journée avancer, tandis que le navire peinait à poursuivre sa route, tant c'était le calme plat.